Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant ma petite semaine pour montrer l'avancée de mes de mes... de mes quoi De mes tricots petit à petit. Je vais y arriver, c'est lundi matin, jour de rentrée, donc voilà, on est un petit peu pardonné. <laughs> Euh, tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo. Je vous mets les liens vers les boutiques si jamais euh, j'ai reçu euh, quelque chose. Je vous mets les liens vers toutes mes fiches ravelry des tricots que je porte ou que j'ai sur mes aiguilles, comme ça vous retrouvez toutes les informations. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Voilà, je suis contente de euh, vous retrouver. Merci pour tous vos commentaires comme toujours sous la précédente vidéo. Euh, pour euh, le premier vlog de l'année 2024, ah le chat. Salut le chat Coucou Oui, c'est toi <laughs> euh, Voilà, merci bah, d'être là, toujours euh, aussi nombreux. Euh, ma vidéo sur la, la machine à tricoter des chaussettes euh, vous a plu énormément. C'est ma vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. J'étais hyper étonnée. Mais euh, voilà, je suis contente que cette petite vidéo euh, présentation vous a plu. Donc euh, voilà, un grand merci à vous. Donc on est reparti, ça y est nouvelle semaine, rentré euh, ici bah, pour beaucoup de monde. Moi j'avais déjà repris le travail la semaine dernière, mais là euh, bah, mon chéri a repris le travail et je suis contente parce que c'est quelque chose de travailler à sa maison quand on a les autres à la maison. Alors Quand j'ai mes garçons c'est pas trop problématique parce qu'ils vont faire leur vie euh, grosso modo dans leur chambre. Hein, c'est des ados donc euh, soit ils sont chez leurs copains, soit ils sont dans leur chambre, soit ils sont au City Stad. Ben. Ils sont pas là, grosso, ou grosso modo ils sont pas là, et sont là juste euh, le temps fort du midi et ça c'est bien parce qu'ils m'aident et je suis contente. Par contre mon chéri ben bah, lui euh, bah, il vit dans la maison avec nous et donc euh, moi mes petits que j'accueille ils l'appellent tonton et donc euh, c'est tonton par-ci, tonton par-là, tonton vient voir, tonton vient voir jouer, vient voir se jouer, tonton vient jouer aux voitures, tonton vient ceci, ah oh là là et euh, et ça fait que ça ça fait, euh, c'est différent des autres jours. Ils sont beaucoup plus énervés mes petits que j'accueille quand Tonton est là. Donc euh, là je suis contente. Tonton est reparti au travail <laughs> et on a retrouvé un, voilà, un, un calme à la maison qui est quand même appréciable. Pour, te, pour ceux qui ne savent pas, je suis assistante maternelle agréée, donc j'accueille chez moi des petits. Et donc la semaine dernière, il s'était quatre, le maximum qu'on a le droit d'accueillir aller jusqu'à 5 avec une dérogation, mais euh, voilà, normalement c'est 4. Euh, voilà, j'en avais 4 tous les jours la semaine dernière, euh, avec tonton, c'était pas mal. Et bon, au moins j'avais quand même de l'aide au midi, ce que j'aime bien, j'apprécie quand même, tonton était là au midi. Ça c'est vrai que c'est le petit avantage quand il, est... quand il y a quelqu'un à la maison avec moi, mais sinon sur les autres moments, non, c'est pas forcément pas forcément de l'aide d'avoir des gens en plus. Enfin bref, voilà, petit aparté. Donc euh, voilà, il a repris le travail, les garçons sont retournés à l'école, contents. Voilà, c'est reparti pour euh, une nouvelle année, mais en même temps, l'année scolaire, elle, elle est déjà bien avancée et euh, je pense que ça va aller euh, super vite d'ici l'été. Enfin, tous les parents euh, savent de quoi je parle, le temps passe quand même vachement trop vite. Aujourd'hui, alors bah, il fait bien froid. Hein. Je, je pense que vous le savez n'importe où vous êtes en France, il fait froid. Et en fait en soi, heureusement, c'est l'hiver. Je porte mon châle Cosmic Girl, un modèle de Nadia de Ancianis que j'avais tricoté en 2022 avec des laines qu'une abonnée m'avait offerte de la Life in the Long et j'adore. Oh, là là là, j'adore ces couleurs, j'adore ce châle. Donc un modèle vraiment très simple, accessible aux débutants, une dentelle vraiment toute simple. Hein. Voilà, un, un châle en point mousse, il y a des rayures à ce niveau-ci. La jolie dentelle qui se fait qui est vraiment très simple. Puis une petite bordure en picot. Bref, moi j'aime beaucoup. Et en dessous, je porte mon pull Sierra, un modèle de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté avec les fils de Lily sur un fil. Et la particularité de ce pull, voilà, c'est cette... Euh, ce joli pli au niveau de la manche, très élégant, très joli. J'aime énormément. Voilà pour ce que je portais aujourd'hui. Et vous voyez, c'est ce que j'aime avec l'échelle triangulaire c'est que ça se met en place tout seul. J'adore. Ah, oui, petit retour j'ai donné parce que je vois, j'ai encore mes chaussettes que j'avais tricotées, donc justement avec la fameuse machine euh, Wally -E de au euh, Axel donc mon aîné je l'avais fait pendant les là pendant les vacances quand il était chez son papa euh, sa paire de chaussettes euh, arc-en-ciel donc j'ai fait tout le tube à la machine et je suis venue lui faire les pointes et tout euh, j'ai fait le talon après coup en rond de chez euh, le tuto on le trouve chez Claude Tricot facilement. Euh, c'est en français donc euh, voilà, c'est facile à suivre. Et c'est vrai que ça lui va bien au niveau du pied. Alors sur le coup, quand il a enfilé les chaussettes, il a pas aimé. Il m'a dit tout de suite qu'il sentait la différence entre des chaussettes tricotées à la main et les chaussettes tricotées à la machine. Je me suis dit génial là. Et en fait au niveau du talon, quand je suis venue, euh, j'ai coupé mes mailles et quand je suis venue faire le talon, que bon bah là c'est un talon après coup classique, vous voyez, en forme de pointe, le sien est vraiment euh, rond. Non, je l'ai pas, en pas, en pas encore fait sur mes chaussettes. Je peux pas vous le montrer là. Mais en fait, ici, bah, quand on vient reprendre les mailles, pff, bah, lui, il sent. Il sent quelque chose. Alors, il n'y a rien parce que j'ai regardé. Je lui ai dit, bah, peut-être que c'est le fil que j'ai rentré et qui fait une épaisseur. Donc, je vais mettre le fil ailleurs et comme ça, ça ira. Mais non, même pas. Alors, moi, justement, il y a les fils qui rentrent. Oh, je vais vérifier quand même sur sa chaussette. Mais il trouve euh, qu'à ce niveau-là, donc entre le talon et le tube il sent une petite ligne. Et alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas la même tension entre ce que moi j'ai tricoté à la main et la machine. Mais bon, euh, voilà. Je lui ai dit oui, mais je t'ai fait ce talon-là parce que moi quand je fais un talon comme ça avec une pointe, on fait un grafting. Et il y a une... moi, ça me fait une ligne. Genre, je ne sais, sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi j'ai une ligne. Et là, je peux vous dire que moi, la chaussette, quand je l'enfile, cette fameuse ligne-là, qui, vous voyez, on voit bien quand même, ça fait... Euh un petit bourrelet là, je le sens. Alors, je le sens au moment où je l'enfile, je me dis, ah, c'est pas agréable. Ça me. Après, je l'ai oublié et je le porte. Il m'a dit, oui, bon, bah, je préfère mon talon rond que ça. Il me dit, au moins, j'ai juste une ligne qui me dérange en dessous du pied et pas une ligne en plus au niveau du talon. Donc, bon, ma foi, c'était déjà ça. Et puis, après coup, il les a portés toute la soirée. Il s'est pas plein, il les a gardés au pied. Donc, je pense que c'est un peu comme moi. C'est le temps où on les enfile, on se dit, ah, il y a quelque chose... Est pas habituel, qui dérange un petit peu, et après il a oublié. Donc, ma foi, euh, voilà, il aura d'autres chaussettes faites à la machine parce que il fait 45-46, donc euh, c'est vraiment des longs pieds. On va rester dans les chaussettes, puisque euh, j'avais fait donc un tube pour lui, elle euh, lui monte bien haut et tout, je suis vraiment contente, et avec le reste de la pelote, je me suis fait un tube plus petit bah, pour moi, et donc je vous montre. C'était avec de la laine Rico Design, euh, je sais plus le nom exact. C'est avec la laine Rico Design cashmere, luxe oui, quelque chose comme ça mais bon, bref une très jolie laine de chez Rico Design qu'une abonnée m'avait offerte arc-en-ciel j'adore les couleurs il est super content il aime le fait que ce soit deux chaussettes différentes il a décrété que la chaussette gauche c'était sa chaussette violette et l'autre je sais plus le bout mais c'est son autre pied il a décidé que ben, chacune un pied et elles changeront pas moi j'ai fait ma une pointe d'un côté avec un mini de chez Woolbags qui fait arc-en-ciel j'aime beaucoup Trop mignon. Et je suis en train de faire la pointe de l'autre côté. J'ai commencé. Voilà. Donc, euh, j'ai plus qu'à faire mes deux pointes. Après, je viendrai couper au milieu, puis faire mes talons. Et je ferai le talon, talon après-coup en rond, comme j'ai fait pour mon garçon, pour voir la différence aux portées euh, sur moi, puisque moi, j'ai déjà fait des chaussettes avec le talon euh, après-coup classique et pas avec, euh, avec celui-là. Donc, bah, objectif euh, à continuer tranquillement ma chaussette. Ça va être mon petit tricot voiture de la semaine. Vu que l'école elle a repris, euh, il y a un petit peu de, de taxi-maman école attente. <laughs> Donc, j'embarque un petit tricot. Autre ouvrage sur mes aiguilles le châle Obéron de Audrey Bourrego. Il y a un flex sur Instagram. Je vous ai dit que des bêtises la semaine dernière, mais je vais revenir dessus. Alors, voilà mon châle. Je vous avais montré la première section. Hop, qui se compose de rayures, qui est assez longue à tricoter, alors très simple à faire, mais assez, euh, assez répétitif. quoi. Elle n'est pas excessivement longue, il y a à peu près euh, 90 mailles là à la fin. Oui si c'était long à faire, mais c'est pas un petit peu long. Mais voilà. Je suis. je vous avais dit j'avais manqué de gris, donc j'ai défait mon gris pour faire euh, pour m'arrêter sur une, une couleur. Euh, ma couleur euh, caramel ici. Et c'est là où je vous ai raconté des bêtises. Je vous avais dit... Euh, Qu'est-ce que je vous avais dit Je vous avais dit, ah, on coupe pas le fil parce qu'on va le reprendre et tout. Euh, ce fameux fil caramel, je pensais qu'il allait rester accroché. Ben non, en fait, on l'a coupé et on le reprendra. ne reprend pas le fil au même endroit. Donc c'est pour ça qu'on le coupe. Mais au début, euh, en fait, je ne sais pas comment je m'étais imaginé ça dans la tête. Sur le coup, quand j'ai lu le patron pour la section 2, je me suis dit, c'est quand même bizarre, je fais pas les diminutions du bon côté et tout. Je me, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc après, j'ai bien tout relu et euh, c'est là que j'ai compris qu'il fallait bien couper en fait le fil et qu'on le reprendrait ailleurs. Alors, vous n'allez pas le voir pour l'instant. Ici, on tricote, on est droit sur cette nouvelle section par rapport à... Avant, ça a augmenté, mais maintenant, c'est droit. Et là, ça commence à diminuer. Mais vous allez pas le voir. Et c'est à ce niveau là en fait qu'on va venir après re... en fait hop donc de ce côté là on va diminuer jusqu'à ne quasiment ou même ne plus avoir de mailles sur son aiguille. Je pourrais pas vous dire, hein, mais je euh, j'ai pas, pas lu le... la section jusqu'au bout, mais là en fait on va diminuer à un certain rythme et donc ça va être aussi je pense je crois que c'est euh, à peu près le même rythme qu'en -qu dessous. Je ne sais pas si c'est au même rythme ou pas. Mais je pense que c'est quand même assez lent. Ça va faire un long triangle de, dans, qui va partir donc de ce côté-là. Et de, de ce côté-ci, là. Alors, moi, à ma droite, vous, ça fait à gauche, je pense, à l'écran. Euh, on va avoir le triangle qui sera couleur caramel. Mais voyez, mon fil, en fait, caramel, il est là et je l'ai coupé ici. Puis il va être repris à ce niveau-là. Enfin bref, voilà. je pensais quelque chose. Il y a des fois où on s'imagine des choses, et c'est vrai qu'on reste buté dans notre idée, alors qu'on a beau lire le patron, c'est pas ça qui est écrit. Et euh, des fois, ça fait du bien de poser un ouvrage et de revenir dessus avec des idées claires. Alors j'en suis arrivée à la section 2 qui est de la demi-brioche. Moi j'adore la brioche. Et là la demi-brioche c'est qu'il y a le point brioche se fait que ben, une maille sur deux. Donc c'est vraiment la maille endroit là qui est en maille brioche. Vraiment très simple, pas, vraiment très simple, pas compliqué. Il euh, y, y a des diminutions ici mais qui sont sur une partie tout en point mousse. Donc vraiment pas dans le la brioche, il n'y a pas de diminution spéciale brioche et tout. C'est vraiment simple, c'est très agréable à tricoter. Donc, bon, bah, ça risque d'être un peu une section un petit peu peut-être lente, hein, parce que les, les diminutions ne sont pas rapides, mais j'adore tellement euh, le point brioche que je suis contente de faire cette section. Et là, au niveau de la laine, c'est de la Harco Irisiane. J'avais fait mon French Coast avec cette laine-là. J'avais 4 échouages. j'en ai utilisé 3 pour mon pull. Et là, j'ai utilisé, donc il me restait le quatrième. Il n'y a pas de nom de coloris parce que c'est enceinte c'est kits Frankenstein qu'elle sort au niveau d'Halloween. En fait, elle fait des kits avec soit des coloris qui sont pas reproductibles, ou des erreurs de marmite, ou des échevaux solitaires qu'elle rassemble. Donc il n'y a pas de... Moi j'ai pas de nom de coloris pour celui-là. Donc voilà mon petit chat le bairon. L'objectif cette semaine c'est juste d'avancer dessus. Je me dis pas qu'il faut que je termine ma section pour euh, cette semaine, sinon je vais me... Parce que je pense qu'elle va prendre du temps et je suis vraiment pas sûre de la finir cette semaine. Donc euh, sans pression, j'avance tranquillement dessus. Je continue ma couverture de reste, la Jigsaw Puzzle Blanquette de Steven West. Hop, je vous la montre plus ou moins en entier. Euh, J'en étais. On a fait cette section là la semaine dernière et celle-ci. Bah là je dois faire, je sais pas... Je ne sais pas dans quel sens. Donc je ne saurais pas vous dire où je vais après. Je crois que c'est quand même dans cette zone-là. J'ai deux petites sections. Ah si je dois faire un, un rectangle fin. Et sur un des côtés. Je ne saurais pas vous dire de quel côté, mais... Il va falloir que je regarde. Alors c'est quand même bien fait. Alors, donc c'est un modèle de Stephen West en anglais. On a un schéma de... Où où on voit sa section et on voit où est-ce qu'on doit mettre la section suivante. Et ça, ça aide beaucoup. Moi j'y retourne souvent. Donc là j'ai regardé un peu mes deux prochaines sections, même si je sais déjà plus où je dois les mettre. C'est pas des grosses sections, c'est des sections où il fallait 2 fois 7 grammes et la suivante c'est 2 x 8 grammes, 2 x 4 grammes, et donc euh, vraiment des petites sections. Donc euh, comme chaque semaine, là pour mercredi, quand je vais revenir vous montrer en vlog, bah, j'aurais fait la section. Alors j'ai oublié déjà, je dois être à la section 18 ou 19. Et pour vendredi je ferai la section soit 19 ou soit 20, je sais plus. Mais il me semble que ça doit être quelque part par ici. Donc voilà, ça c'est l'un de mes deux objectifs, c'est je fais deux sections par semaine pour avancer euh, ma jigsaw puzzle. Alors des fois c'est des longues sections comme celle-ci. Et puis bah, des fois c'est des petites sections. Là celle d'aujourd'hui, du... elle sera pas grande. Vous voyez, ça c'était une section par exemple. C'était pas grand. Et voilà, donc j'ai deux petites sections à faire. Je l'avais pas du tout regardé ce week-end, sinon je l'aurais peut-être fait ce week-end, vu que c'était vraiment des petites sections. Mais comme je ne m'étais vraiment pas penchée dessus, je ne savais pas. J'ai regardé ce matin et c'est là que j'ai vu que c'était des petites sections. Ah, c'est tout. Cette semaine, ce sera des petites sections. Ce qui fait que ça me laissera du temps pour avancer sur mon test d'un pull pour même les anges tricotes. Le pull Lilian, je fais la version femme. Et je vous montre. Que c'est beau. J'aime beaucoup. Euh, bah depuis que je vous l'ai montré la semaine dernière, je n'ai pas avancé. J'en suis à la moitié du diagramme. Vraiment ah juste la moitié. Donc bah, j'ai l'autre moitié à faire. Lui, j'aimerais cette semaine finir le jacquard pour séparer les manches du corps. Comme ça, la semaine prochaine, je commencerai autre chose. Parce qu'après ça sera une mère de jersey et euh, ça ira tout seul. Ah ouais, j'aimerais beaucoup. Il me faut un tricot zéro cerveau parce que j'ai apéro tricot vendredi soir. Il y a laine de moutes. Catherine et Benjamin qui viennent à la mercerie qui est près de chez moi. Une tasse de filet et d'aiguilles chez Justine. Euh, premier apéro tricot de l'année, euh, je suis trop contente. En plus, on... il aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais euh, le Covid était passé par là. Il avait été annulé. Euh, là, ça a l'air bien parti, donc je suis contente. Euh, C'est mon à... ma petite soirée de vendredi soir, rien qu'à moi. Et il me faut un truc zéro cerveau. Bon, le châle au Béron, il pourrait faire l'affaire aussi. Mais si j'ai que du jersey à, à tricoter, j'avoue que par exemple le corps là du pull, ça serait chouette. Alors celui-là, je le tricote avec ici, c'est l'atelier teinture. Très joli, euh, vert, sauge, vert d'eau. Et le blanc, c'est du yarneline. C'est un échauffement de 50 grammes de sa box de Noël de là, le, 2000, le Noël 2023. Ah là, vous voyez bien. Ah juste là vous voyez bien, alors ça fait un jacquard doux chez moi en termes de couleur mais j'aime beaucoup, c'est très joli Voilà pour le test du pull liant qui sortira début mars Il faut que je commence autre chose, j'ai un cadeau de naissance à faire, faut pas que j'oublie, faut vraiment que je m'y mette euh, Donc j'ai une amie très proche qui va avoir un bébé qui est prévu pour le mois de mars j'avais déjà fait un tricot, une couverture de naissance pour sa première. Elle eu, ils avaient eu une petite fille euh, bah, qui aura 3 ans, la courant 2024. J'avais fait la couverture, je ne sais plus son nom, mais quelle horreur à tricoter. Elle est magnifique. C'était une couverture qui est en forme de losange, euh, un patron de Lily comme tout, qui était dans le livre tricodio de l'Enamouré. Cette couverture, elle était super belle. Mais. C'était euh, un jeu de torsade pour euh, créer un motif à l'intérieur de la couverture qui se faisait sur l'endroit, donc ça, pas de souci, mais sur l'envers aussi. Je vous raconte pas comment j'ai détesté tricoter cette couverture, euh, faire des torsades sur l'envers c'était pas intuitif et je te fais souvent retourner mon ma couverture, mon tricot pour voir l'avant pour être sûre de pas avoir fait de bêtises et tout, j'avais franchement pas aimé la faire donc euh, voilà. Et là euh, c'est la petite fille à qui j'ai fait aussi plein de petits amis amigurumi, vous aviez pu voir si vous suivez mes vlogs depuis ces deux dernières années. Euh, et donc bon bah voilà, là ils sont... ils attendent leur deuxième enfant, c'est un petit garçon et euh, donc il est prévu pour le mois de mars, hein, donc on est déjà bien, bien avancé, et en fait j'avais aucune motivation et aucune envie de faire quelque chose de tricoté. J'avais pas envie de refaire la couverture que j'ai déjà fait plusieurs fois pour les enfants que j'ai accueillis, parce que je, je, à chaque enfant accueilli je lui tricote une couverture en cadeau de naissance, mais j'avais pas envie de refaire la même chose. Et y a rien qui me tentait. Donc je m'étais dit cette année, bah ben je m'étais dit c'est tout, je vais pas faire un tricot que j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Si j'ai pas l'envie, ça sert à rien. Donc je m'étais dit, ben on attendra la liste de naissance puis on choisira quelque chose sur la liste de naissance. Et pendant nos vacances, on est allé dans une comment on appelle ça Un marchand de journaux, une maison de la presse, on appelle ça par chez nous. Et on est tombé sur euh, sur ça. <laughs> euh... Disney crochet. Et alors là, le moment nostalgique, moi j'ai appris à tricoter et à crocheter notamment avec ça. Alors j'avais appris le tricot il y a, je pense, il y a bien longtemps quand j'étais petite avec ma mère, mais euh, le crochet, je pense l'avoir vraiment appris, euh, donc voilà, vers 2010, et j'avais commencé avec des choses comme ça. Je m'étais remise au tricot avec des choses comme ça, euh, chez, donc c'est chez Hachette hein, qui font ça. Moi j'avais fait un tricot facile et crochet facile, donc un, un fascicule qu'on achète tous les semaines, et qui permettait de faire un carré, c'est toujours le même but, un carré pour faire une couverture. Avec de la laine qui est pas terrible, souvent c'est de l'acrylique, voilà. D'ailleurs là voici la laine qui était fournie avec le kit. Bon bah enfin bref, je suis tombée sur ça et pour 1,50€ et, et j'aimais bien, je trouvais ça mignon. Alors là c'était euh, pour faire le carré avec la tête de Mickey. Et j'aimais beaucoup et je me suis dit bah je vais faire ça en cadeau de naissance j'aimais beaucoup l'idée d'une couverture vous voyez avec des euh, l'effigie de certains personnages Disney j'adore l'idée en plus mon ami adore Disney tout ça donc je savais que ça allait lui plaire sauf que bon euh, déjà là quand on achète donc le premier numéro on a euh, comment faire euh, la tête de Mickey euh, je me suis dit ça c'est bien après je peux vous dire genre les sept prochains les six prochains numéros ça se contente de faire des carrés de crani euh, un peu différent, mais euh, pas du tout les têtes de Disney. Donc je vais pas poursuivre l'abonnement, je m'arrête à, à ce premier. Mais je me suis dit bah, je vais faire une couverture au crochet. Avec euh, différentes couleurs et puis parfois avec une tête de Mickey dessus. J'ai accroché à l'idée et là j'avais envie. Et là je me suis dit ah je vais le faire. Donc j'ai cherché sur internet, je ne savais pas trop quelle laine prendre, et on a fini par passer commande chez Kalidou On est parti sur un grège. Alors on est parti avec la euh, Merino. Extra fine, la Mérino extra fine. Donc on a pris le grège, on a pris du bleu clair et un bleu foncé. Dans l'idée de faire une couverture un peu effet vichy, je vous mets un patron qu'on a trouvé, on aimait beaucoup l'idée. Euh, donc je vous mets ça à l'écran, je vous mettrai le lien en dessous. Et donc euh, voilà, j'ai acheté ma, j'ai passé commande la semaine dernière, genre le le mardi ou le mercredi mercredi, je pense, et samedi, on l'avait déjà, qu'on est parti sur du bleu, parce qu'on ben, ne savait pas trop quoi prendre du bleu, on s'était dit, bon, c'est bien, c'est un petit garçon, oui, je sais bien, on peut mettre du bleu pour les filles, mais enfin, je sais que ça, pour sa fille, elle a été beaucoup très violée, tout ça, donc on s'est dit bleu, et entre, j'ai passé commande le mercredi, on recevait la laine le samedi, le vendredi, elle a partagé, mon amie a partagé sa liste de naissance. Et là, mais qu'est-ce qu'on découvre Que bébé va avoir une chambre dans, sur le thème des dinosaures et tout est vert. <laughs> et alors là, avec mon chéri, je lui regarde, je lui dis, oh! je lui dis, regarde, tout est vert. Tout est vert. Alors, ça va être beau. Elle a choisi des belles choses et tout. Thème dinosaure, tout est vert. Je lui dis, c'est pas possible. On ne peut pas faire une couverture bleue. Euh, ça, est... Tout est vert. Donc, euh, j'attends. Euh, J'ai recommandé. <laughs> on a recommandé des pelotes chez Kalitu en vert cette fois-ci pour... Euh pour faire cette fameuse couverture. Donc là, je vais commencer déjà mes carrés. Je sais que je dois faire un carré par jour. Alors surtout que voilà, bébé prévu au mois de mars. Donc on on a le temps. Mais euh, sa première est arrivée avec euh, un bon mois d'avance. Donc euh, je me mets comme objectif, il faut que ça soit prêt pour euh, mi-février, fin février. Donc j'ai commencé par faire mes carrés grèges. Parce que bah ça, je ne l'ai pas racheté. J'ai racheté que le, du vert clair et du vert foncé. Et donc on, je vais commencer. Alors je m'étais dit, si je faisais un carré par jour, on était là. Je... Donc je vais faire un carré par jour et il faut que je commence à faire mon grège. Je ne sais pas encore si je fais euh, un carré en maille serrée comme il est marqué pour mettre la tête de Mickey parfois ou si je fais des carrés euh, type granny avec des trous trous. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y en a certains que je vais faire en maille serrée parce qu'il faut que je vienne coudre dessus la tête de Mickey, ça sera quand même beaucoup plus simple. Mais peut-être que certains je vais les faire en mode granny. Voilà, à voir. Enfin, mais donc ouais, ça, il faut que je me lance aussi. Euh, ça sera euh, dans les encours cette semaine. Un peu de crochet, ça faisait longtemps. Maintenant, non, j'ai fait mon rêne à Noël. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais voilà, un peu de crochet. Et j'étais contente parce que j'avais trouvé l'idée, l'envie de le faire. Et donc là, comme j'ai vraiment envie de le faire, ça me fait plaisir de le faire. Et donc euh, voilà, le petit frère aura lui aussi son petit cadeau de naissance euh, tricoté. Bon, un crocheté fait main. Voilà pour ce début de semaine. se retrouve aujourd'hui, je porte alors euh, on va commencer par le châle. Là c'est l'un de mes châles préférés parce que ça avait été vraiment un châle que j'avais très très envie de faire depuis un moment quand je l'avais fait. C'était l'une euh, de mes premières brioches. J'avais déjà fait de la brioche avant mais voilà, je m'étais dit c'est vraiment un gros projet en brioche et tout. Et euh, c'est vrai qu'il a un petit goût particulier pour moi. Il... Voilà, j'avais adoré le tricoter et tout, et c'est vrai que c'est l'un de mes châles préférés. Il s'agit du, du Vortex Shawl de Charlotte Bory. J'en suis plus sûre, mais je vous, vous voyez le nom à l'écran. Donc, si voilà, c'est un grand châle. Euh, c'est un châle qui est surtout long. Et qui a une pointe de chaque côté. Hop là. Et si je me dis pas, mais si je crois que je l'avais vu sur le podcast de Mathilde Ambion, Ambion, Ambion euh, Voilà, au moment où elle faisait encore euh, beaucoup, beaucoup d'épisodes podcast. Moi, à ce moment-là, j'en faisais pas du tout, et j'avais adoré sa version, et j'avais fait quelque chose d'assez si, euh, similaire. Donc, vous voyez, toute cette partie-là, bah, c'est que de la brioche. On commence par cette pointe-là. On vient faire tout ça en brioche, donc vous voyez là j'ai une couleur et c'est glacis pécant de Madeleine Toche comme j'ai pu tricoter dans le châle au euh, On vient ensuite intégrer la deuxième couleur pour passer à la suivante. Là j'ai un, je sais plus le nom de mes coloris, mais là j'ai un beige uni de ce côté-ci et de l'autre côté j'ai un qui est, euh, c'est un beige également mais vous voyez avec des nuances de glacis pécant et des speckles noirs. On a au centre ce grand losange avec donc son coloris moche et moque glacis pécant. Et ensuite, on vient refaire la, la même chose mais en diminuant de l'autre côté. Donc, c'était la brioche bicolore, unicolore, avec des augmentations, des diminutions. Mais j'ai adoré ce châle. Euh, je sais pas, pour le fait que ça soit de la brioche, parce que c'était des couleurs que j'adorais. Et, euh, et au moment où je l'avais fait, ben. Bah, pour moi, à mon niveau de tricot à ce moment-là, bah, j'étais super contente d'avoir fait ce modèle-là, j'étais fière de moi. Et donc, euh, ouais, j'aime beaucoup celui-là, le Vortex Shawl. Donc, il est assez douillé parce que c'est de la brioche, la brioche c'est épais, ça tient bien chaud, c'est quelque chose qu'on met plutôt comme une écharpe, donc il tient chaud. Et en dessous, je porte le, le pull Yoki, un modèle de Marianne Munier Marguenet, qui était d'abord sorti dans un. qui était paru dans un magazine et qui est maintenant disponible individuellement sur sa boutique sur Ravelry. J'avais eu un coup de cœur aussi pour ce modèle-là, avec ces petits, ce motif-là qui fait un peu, je trouve, aztèque. Hein, bon. C'est mon idée euh, que moi je me fais. Je l'aime beaucoup. Et donc là, en Ulysse de Dererum Natura, euh, il me tient chaud, je suis bien. Voilà pour ma tenue. Je vais remettre mon petit châle. Oui, ça fait vraiment un châle doudou-doudou. Vous avez pu voir dans les petites images avant, j'ai reçu de la laine. Je vais vous montrer bah, ça tout de suite. Donc pas chez moi, pas de résolution dans l'idée de, de réduire, de moins acheter ou quoi que ce soit. Euh, par contre, j'ai vu un petit challenge sur un Instagram qui est vraiment super. Euh, J'aime bien l'idée. Le but étant d'enlever de, de son stock de laine, donc ce qu'on peut aussi appeler en anglais ça s'appelle stash et c'est ce que le terme qu'on retrouve souvent. Mais voilà, diminuer son stock de laine de 2000 de 2024 grammes. Voilà, on est en année 2024. L'objectif ce serait d'enlever 2024 grammes de son stock de laine. Ce qui représente, euh, je crois, de mémoire 20 échevaux et 1 mini, ou 40 pelotes euh, et demi. Enlever ça de ma. Sur le coup, je me suis dit, ça c'est pas compliqué pour moi. D'enlever euh, 2 kg de laine, euh, tricoter en fait 2 kg de laine sur l'année, c'est pas compliqué. Mais par contre, quand j'ai reçu ma laine, cest ça m'a fait tinct. Euh, on doit à la fin de l'année 2024 avoir enlevé... 2024 grammes de laine, mais ça fait qu'en fait il faut faire rentrer ce qu'on ce qu achète en cours de route. Donc là d'un coup je me suis dit le défi pour moi il risque d'être assez compliqué, pas sûr que j'y arrive. Enfin bref, je vous mets, euh, en, euh, je vous ai mis en même temps que je parle l'image du, du, du petit défi sur Instagram, je vous mets son, le lien de la personne, euh, ce que j'ai pu son nom du compte en tête, mais je vous le mets dans la barre d'infos. Euh, voilà, j'aime bien l'idée, je me dis que je vais peut-être essayer chaque mois de voir, mais en fait, bah ça commence déjà très très mal. <laughs> bon, on verra bien. Après, pas de pression, hein, comme elle le dit, hein, c'est juste un défi comme ça, euh, un peu comme voilà, nouvelle année, des nouvelles résolutions, même si moi j'en prends pas, mais euh, je vais essayer de voir un peu le début début d'année si j'arrive, si j'arrive pas, si je vois que vraiment c'est trop toujours dans le négatif qu'il y en a plus qui rentre qui ne sort, je m'arrêterai. Donc j'ai passé en début d'année une petite commande chez Didier au film d'orus parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de retricoter sa laine et qu'en plus là bah, j'avais un, un bon d'achat à utiliser donc c'était vraiment l'occasion et je me suis fait plaisir. Chez Didier en fait quand on commande c'est expédié mais super vite j'ai commandé, c'est expédié le lendemain, deux jours après c'était à la maison, ça a été incroyable Alors on a la petite carte, c'est super bien emballé avec un très gentil mot derrière Et donc je vous montre un peu ce que j'ai pris J'ai craqué pour ces deux écheveaux là, j'avais eu un gros coup de coeur euh, quand il les avait montrés, il y a un petit moment il me semble sur euh, Instagram Je les avais repérés, j'aimais énormément Donc c'est dans sa base euh, guise et bambou donc il y a 60% de laine vierge, 25% de bambou naturel et 15% de nylon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris les portes du temple. Et j'adore. Oh là là, là, là. C'est vraiment, vous voyez, le genre de coloris que j'aime. Donc ça pourrait très bien faire des chaussettes, hein, puisque je vois qu'il y a du nylon dedans. Mais moi, ça va être pour un châle. Vous voyez, ça, ça, oh là, ça match. Normalement, je pense le coupler avec un, un autre écheveau que j'ai à la maison. Je vous montrerai quand je me serai décidée. Je sais normalement avec quel écheveau le mettre, pour quel châle. Voilà, mais pour l'instant j'en profite comme ça, c'est super beau. Un hein, beau beige avec des petites nuances là, euh, caramel comme j'adore. Super beau. Ensuite j'ai craqué pour ce qui est à chaussettes, mais qui est trop beau. Oh, Regardez-moi cette merveille. Ah, alors le rose là, vous l'avez un peu trop. Voilà, il est rose fluo comme ça. Là un beau jaune comme j'aime bien. Jeune moutarde. Et donc dans sa base guise et socle, là c'est 75% mérino, super 25% nylon. Et il y a 2 x 50 g, 2 x 212 mètres. C'est le kit Norus 1. Ah j'adore, il est magnifique. Ah oh, il est trop beau. Ah c'est trop trop beau, j'adore. Et euh, le craquage ultime, ça faisait longtemps que je repérais cette base, ça faisait longtemps que je me disais que je voulais la tester. C'est quand même une base assez onéreuse, mais c'est un fil euh, tellement plus luxueux que ce qu'on a l'habitude d'avoir. J'ai craqué pour ces quatre écheveaux là sa base TB, je pense qu'on dit. Camel. C'est 50% bébé chameau, 50% soie. C'est d'une douceur. Alors déjà que la base bambou... Ah, elle, est, elle est douce, là, ça a guisé euh, bambou. Franchement, elle est douce, je m'y attendais pas. Elle est, euh, je pense qu'elle va être vraiment très agréable à tricoter. mors ça J'adore. Et alors là, j'ai toutes les copines qui vont rigoler parce qu'apparemment, je passe mon temps à faire des câlins à la laine. Euh, soit parce que voilà, ou soit parce que je les caresse quand je les ai dans les mains. Apparemment, je fais beaucoup ça aux apéros, tricot, tout ça. Euh, et ça fait rire les copines. Mais c'est d'une douceur incroyable, donc voilà c'est du bébé chameau c'est un peu plus cher que du mérinos euh, parce que voilà c'est un fil un peu plus rare, plus luxueux oh, mais cette beauté ah oh là là là, donc il y a le coloris camel et le coloris rose sacré, ça fait trop beau trop trop beau et ça je sais ce que je vais faire je vais faire le châle rose gold de Andrea Mori, encore merci à Dominique qui m'a offert le patron euh, en décembre et ça va être trop trop beau. Alors ça voilà, ça c'est un bon craquage laineux. Mais euh, j'ai jamais tricoté cette base là. Et là je me dis bah, dans un châle, ça va être tellement doudou. Ça va être trop trop beau. Donc euh, ouais. Franchement si un jour vous avez la possibilité d'en toucher, ne serait-ce que d'en toucher, c'est vrai, c'est oh, incroyable la douceur. Je pense que j'ai jamais touché une laine aussi douce. Vraiment là, bébé chameau, euh, bébé chameau soie. Puis bon voilà, c'est bien brillant, c'est beau. Alors c'est une base qui convient parfaitement pour des gilets euh, qu'on porte ouverts comme le Vitamine D Moi j'ai tricoté dans mon, mon gilet euh, givre dans une base aussi comme ça qui a beaucoup de fluidité euh, Voilà c'est vraiment pour des vêtements avec du drapé, des gilets avec du drapé franchement c'est top Et là bon ce sera pour un châle et ce sera très bien aussi Super beau Et euh, Didier m'a gentiment offert deux écheveaux supplémentaires Dans sa base Luxor donc c'est 100% Merinos Super Wash Single, j'adore cette base là euh, c'est parce qu'il n'y avait pas les autres coloris. Euh, ces coloris étaient disponibles euh, bah, sur la bambou tout ça. Donc j'ai pris euh, sur la bambou, sinon j'aurais pris sur single parce que j'adore la single. Mais je regrette pas bambou, je vais tester. Euh, J'en ai déjà tricoté du bambou. Et c'est vrai que quand même c'est assez doux et euh, ça a une belle brillance. Donc je regrette pas. Et là c'est le coloris euh, trône du Pharaon, 400 mètres pour 100 grammes. Et je vous les montre. Un très beau gris avec des nuances. Et puis des petites zones de rouge là. J'aime beaucoup. Donc, ces deux-là en plus, le... hop, oh, sa base look Moi, la, la single, j'adore ça. J'aime beaucoup. Donc, merci encore à toi, Didier. Donc, euh, bah voilà, vous allez voir du Didier sur mes aiguilles euh, cette année parce que bah, j'ai de quoi faire. Et euh, ouais, super. Hein, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup sa façon de voir les couleurs. Euh, je les suis, je le suivais beaucoup sur Instagram. Je le suivais aussi beaucoup euh, via Christelle de rêver sa vie en couleur. Mais là, je suis contente euh, bah, d'avoir tout ça. Et euh... ah non, c'est trop trop beau. Et c'est, j'ai eu, euh... c'est rare quand même que j'ai ce ressentiment-là quand je reçois mes échauds. Souvent, je suis très contente de ce que j'ai. C'est beau et c'était ce que je m'étais imaginé. Mais là, j'ai trouvé qu'ils étaient encore plus beaux que les... sur les photos. Franchement, le rendu en vrai, il est vraiment magnifique. Euh... Ah ouais, ouais, franchement, un beau beau travail. Merci à toi, Didier. Donc, j'ai hâte euh, bientôt, bientôt euh, de mettre tout ça sur mes aiguilles. Début 2024, on devrait suivre ça. Donc, voilà, ça c'était pour la petite belle réception quand même déjà de ce début d'année. Et donc, vous voyez, bah, en fait, ça fait euh, donc 200 grammes, 400 grammes, 600 grammes. 800 grammes, plus ce qui est à chaussettes, 900 grammes. Il y a déjà 900 grammes de laine de rentrée dans le stock. Comment voulez-vous que j'en enlève 2 kilos S'il y a déjà 1 kilo le mois de janvier qui est rentré. Ah ben, c'est pas gagné, moi je vous dis. Hein. C'est pas gagné le défi. Donc ça, c'était pour la réception du jour. Niveau tricot, qu'est-ce que j'ai tricoté J'ai avancé sur mon jacquard. Le voici. Voilà, comme ça. Euh, là, comme ça. J'ai je... dépassé la moitié. Donc on a la première partie avec les chevrons, on a une sorte de petit losange là, et puis voilà, on fait des chevrons dans l'autre sens, mais on fait moins de chevrons et la fin est différente du début. C'est pas quelque chose de symétrique que vous verrez la prochaine fois. Là j'arrive dans un. sur la fin du jacquard. Et donc ça sera un petit peu différent. J'ai quand même bien avancé dessus, je suis contente. j'en étais là quand je vous l'ai montré. Avec mon petit anneau de chez Arts Mirabelia. J'en étais là, donc voilà, j'ai quand même tricoté tout ça, les rangs sont longs, hein. j'ai encore eu un rang d'augmentation, maintenant c'est terminé. Ai à... Il n'y en a plus pour ma taille, donc j'ai plus qu'à terminer. Alors parfois c'est pas évident de voir parce que euh, ma laine blanche elle a des speckles roses, mais des speckles verts. Et parfois je me tombe sur un speckle vert, et donc euh, les deux mailles vert sur vert, je vois pas trop. Des fois je me dis ah, j'ai fait une erreur et je me dis ah non c'est parce que... Mes deux, mes deux laines sont fort proches mais j'aime quand même beaucoup le rendu quand même c'est voilà, tout doux c'est bien, j'aime beaucoup, je suis contente donc bon, bah, mon objectif c'est de le terminer je vous avais dit, euh, je voudrais que vendredi séparer les manches euh, les manches du corps mais je sais pas si après le jacquard j'ai beaucoup à faire ou pas, enfin, je vais voir mais bon mon objectif voilà pour vendredi ça serait ça alors là je sais qu'il me reste à peu près une dizaine de rangs de jacquard à faire donc euh, je vais en faire 6-7 euh, aujourd'hui pour après... Euh, euh, demain jeudi, bah, terminer les derniers rangs de jacquard et puis euh, bah, essayer de séparer les manches du corps. Voilà pour mon pull liant que je teste pour même les anges tricotes. Ensuite, au niveau de mes chaussettes, j'ai bien j avancé dessus. J'ai désormais deux chaussettes. Elles sont plus grandes que je l'aurais cru finalement. J'ai fait mon talon. Alors c'est ce que je vous disais. Voilà. Là, c'est le talon euh, après coup en rond. Hop. J'adore avec tous ces petits speckles, tout le coloré, là c'est vraiment trop mignon. Hop Donc bon à vous montrer comme ça c'est pas très esthétique. Mais sur le pied, moi je vois sur mon garçon ça, ça tombe bien, ça fait chouette. Donc voilà le, ma première chaussette. Donc vous voyez ça c'est mon pied et un, la tige bah, elle est aussi grande que le pied. Donc bon bah, j'ai pas beaucoup de cotes euh, finalement à faire. Mais il faut que je fasse mes cotes quand même. Donc j'en ai une qui va avoir le pied notamment bleu-violet puis la tige rose-orange. Rose, et la seconde, elle est là. Le pied sera rose-violet et la tige bleu-vert et jaune. Et là, elle n'a pas encore son, son talon. Il faut que je fasse le talon et qu'ensuite ben, j'attaque les côtes pour les deux chaussettes. Mais finalement, ça me fait des bonnes chaussettes pour ma part. Il hein, n'y a pas de souci. En fait moi le talon là il fait 5 cm de profondeur, donc ça fait quand même 5 cm en moins, hop là, à ce niveau là ça se dit quand même. Ça fait un, un talon bien profond. Ah oh, c'est trop joli, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc bah j'ai pas forcément d'objectif si ce n'est d'avancer, j'aimerais quand même vous montrer euh, le talon terminé sur la deuxième, avoir peut-être commencé les cotes sur une des deux chaussettes, ça serait bien, ça serait pas mal. Voilà pour mes petites chaussettes et après je commencerai des chaussettes euh, que je tricoterai entièrement à la main euh, par moi-même. Le dernier rang court tricot que j'ai donc sur mes aiguilles qui a avancé aussi, je suis contente. Mais les, les rangs réduisent, ah vous, je vous montre ma couverture de reste, faut pas que j'oublie. Les rangs réduisent petit à petit, c'est mon châle au béron. Hop et là vous vous rendez mieux compte, voyez, ici ça commence à diminuer. Alors c'est pas une diminution rapide, c'est aussi lent en fait que l'augmentation la, à ce niveau là. Donc je pense que je vais avoir, un, ça va être aussi long que ça en termes de longueur, parce que je crois qu'on est sur le même rythme d'augmentation et de diminution. Mais voilà, j'ai quand même tricoté tout ça, donc euh, de la brioche, de la demi-brioche. Alors euh, c'est là que je me rends compte que moi tricoter c'est un automatisme, il y a des rangs, si je fais pas attention, bah, je refais de la brioche complète. Tous les, toutes mes mailles sont en point brioche, alors qu'il ne faut en faire qu'une sur deux. Je me rends compte que vraiment euh, le tricot c'est un automatisme et euh, je sais que je dois faire de la brioche, donc euh, je le fais sur toutes les mailles. Donc après il faut que je re... Il y a certaines mailles qu'il faut que je retricote bien. Enfin bref j'essaye d'être un peu plus d'avoir un peu plus d'attention dessus c'est là cette partie là elle demande plus attention que celle en dessous même si elle est vraiment très simple Au niveau des diminutions vu que c'est pas tous les rangs bah, il faut faire attention à quand est ce qu'on doit la faire et là on avait un repère visuel avec les rayures c'était pas compliqué se les augmentations se situaient toujours au même endroit donc avec les rayures je trouvais qu'on se repérait bien là bah c'est unicolore et donc il faut que je fasse attention à quand est ce que je fais mes diminutions je sais que ça m'est déjà arrivé là d'en rater une il a fallu que je que je défasse, que je fasse ma diminution pour, euh, pour rattraper mon erreur. Voilà. Après, normalement, bah, plus je vais avancer, plus ça va aller vite. Puisque plus ça va réduire, le la, la section va réduire, les rangs vont être de plus en plus petits. Mais j'aime beaucoup, euh, ouais, moi, la brioche. J'aime ça, ce côté très moelleux, tout ça. J'aime beaucoup le point. Vous voyez, ça, c'est franchement mes couleurs. J'adore. Donc voilà, le châle au béron, bah, il avance tranquillement. Ma petite couverture de reste, elle a eu sa petite section de fête. Hop, là, voilà. Alors j'ai manqué de laine, puisque... Euh, bon, je vais le répéter, mais je vais le répéter à chaque fois, parce que si jamais il y en a qui viennent juste arriver. Alors pour, faire, pour choisir mes laines, je, je me réfère à une fiche projet où la tricoteuse a pesé à chaque section le, la quantité de laine qu'elle a utilisée euh, au fur et à mesure de sa couverture. Et là, euh, bah, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui correspondait parfaitement à ce qu'il fallait et j'avais un tout petit peu moins et donc j'ai manqué de laine. Alors j'ai fini avec un gris et c'est le gris de mon châle au béron. Il me restait franchement pas grand-chose mais c'est ce qui m'a suffi pour terminer ma section. Donc j'ai fait ce rectangle-là et là je sais pas, je sais que je dois faire un petit triangle. Je me demande si ça serait peut-être pas ici. Je saurais je pas vous dire, j'ai pas regardé. Et là aussi, je sais que mon reste, il est un peu juste et que j'en aurais peut-être pas assez. Mais je, je bidouillerai de toute façon, c'est pas grave. C'est qu'une couverture de reste, elle a pas besoin d'être parfaite. Ça ira très bien. Mais voilà, j'ai fait ma petite section. Donc là, il faut que je fasse la suivante pour vendredi. C'est un tout petit triangle, je sais que ça va aller vite. J'ai commencé ma fameuse couverture euh, au crochet pour le bébé que je, dois, que je voudrais faire comme donc, en cadeau de naissance. Et je vous montre euh, les premiers carrés. Donc, j'ai utilisé le grège, hein, puisque c'était la couleur que j'avais eu. Et donc, j'ai fait mes trois carrés lundi, mardi, mercredi. Alors, je le fais en crochet 4. Au début, alors, sur le truc euh, Disney crochet, les carrés avec la tête de Mickey, ils font en maille serrée, en rang, par rang Je me suis dit, non, ça va être long, n'avais pas envie de ça. Moi, je voulais vraiment quelque chose comme un granit qui tourne en rond. Donc, j'ai cherché euh, des patrons de un modèle de granit, puis je suis tombée sur celui-là. Et donc j'ai fait celui-là. Je me suis pris à, Je me suis basée sur un patron en anglais qui... En fait le carré il s'arrête là au troisième rang. Mais en fait on comprend vite la logique. Et moi j'ai fait deux rangs de plus pour avoir... Alors j'ai un peu moins... Je voulais 15 cm de côté, j'en ai un petit peu moins. Mais je pense qu'en l'avant, ça va peut-être gonfler, prendre un peu d'espace. De, et c'est... Euh, je me suis arrêtée à ça parce que là, en faisant ça, j'arrive à... Euh, j'ai assez de laine pour faire le nombre de carrés que je voulais faire. Donc voilà, je n'ai pas mes 15 cm que je pensais avoir, j'en ai un petit peu moins, mais je pense que ça ira. Et là, je me dis que c'est quand même assez plein pour pouvoir euh, après faire une tête de Mickey, le coudre dessus. Et en fait, tous mes carrés seront comme ça. Voilà, je ne ferai pas de, le fameux carré granny. ou qui est un peu plus troué, un peu plus ouvert. Je vais faire que ce, ce modèle-là que j'aime bien, finalement. Donc voilà, j'ai fait mes trois premiers carrés. Au crochet, c'est vraiment simple. J'ai suivi le tuto pour le premier. Maintenant que j'ai compris, euh, je fais des autres sans réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai reçu les pelotes vertes. Et je suis contente parce que finalement, je crois que je préfère les, le coloris vert au coloris bleu. Donc voilà, euh, le vert c'est le coloris 26 et le vert un peu plus foncé, le 31. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment beau. Donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, c'est parfait. Et que je vous montre le grège, c'est le 8. Donc il ben, n'y a plus qu'à se lancer et à poursuivre euh, voilà. chaque jour un carré. Et comme ça, elle sera terminée euh, courant février, ça sera très bien. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve pour la fin de ce vlog Et aujourd'hui je porte Le pull coffee un, Le nouveau patron de Laetitia De même les anges tricote qui vient de sortir Alors pour moi le jour même, bah pour vous c'était Il y a juste deux jours avant Il est Sorti le vendredi 12 janvier Donc voilà le pull coffee que vous m'aviez vu Tricoter dans les vlogs Courant novembre décembre Et je vous avais pas montré la fin Comme à chaque fois je garde toujours un petit peu de suspense Donc voilà le pull coffee je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai fait. Donc c'est un pull qu'on commence euh, ici par faire cette épaule là. Donc ce morceau de dentelle oh, qui est très joli. Une dentelle qui est vraiment simple, qui n'est pas compliquée. On s'y repère bien, c'est des points simples. Vous voyez c'est toujours le même motif, donc c'est assez répétitif. On retient bien en fait, sans que ça soit ennuyeux pour autant. Mais c'est un, mot un, mo un motif qui se retient donc euh, facilement. On vient faire... Les deux premières épaules on vient faire le dos je vais vous montrer donc le dos qui a la particularité d'avoir la dentelle à nouveau en forme de triangle puis on vient reprendre le devant pour faire chaque demi-devant et ensuite on est en rond et on fait tout le bas du corps Hop là. en jersey décote à un, un semi-torse l'encolure décote aussi qui est soulignée là j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre d'encolure on peut faire également Juste un eye cord Laetitia préconise, euh, donne les instructions pour l'encolure avec des cotes ou un eye cord Et ensuite on vient reprendre les manches pour faire toute la manche avec cette bête dentelle sur le dessus. On vient resserrer là et on vient faire un poignet de cotes. Je l'ai tricoté avec la laine recommandée par le patron, la BFL Cachemire Soie de teinture lurée d'Audrey. Alors comme il y a du cachemire vous voyez ça bouloche un petit peu. Mais euh, je l'ai vraiment déjà beaucoup porté, il faudrait que je le rase en fait, il en aurait besoin, mais c'est le cachemire qui fait ça. Audrey m'avait prévenu, euh, le cachemire bouloche plus que le mérino, j'ai déjà des, des tricots en cachemire, c'est vrai que c'est ceux qui boulochent. Euh, le, un peu plus que les autres mais bon bah voilà un petit coup de rasoir et puis c'est tout après c'est une base super agréable à tricoter, à porter moi je trouve que c'est un pull qui tient chaud alors je l'ai pas non plus là fait quand euh, il faisait moins 8 le matin mais là on est reparti sur des euh, moins 1 et puis 3-4 degrés l'après-midi et eh ben franchement il se porte très bien, il est très agréable euh, il est doux, il est brillant, ah mais non j'aime beaucoup bah soit cachemire hein, de toute façon euh, et le BFL pour le côté chaleur c'est vraiment une très belle base je suis vraiment contente c'était une chouette découverte et puis voilà donc dans les deux laines d'Audrey je n'ai pas alterné mes écheveaux vous voyez il n'y a pas de démarcation rien parfait c'était top donc voilà pour ce que je portais vous allez bientôt retrouver sur la vidéo sur la chaîne sa petite vidéo dédiée comme pour mes chaque chaque ouvrage gros ouvrage que je tricote ah non je suis contente je suis contente mais moi, ouais, je l'ai beaucoup porté et puis je trouve qu'il est euh, il fait vraiment très élégant très raffiné oh, je l'aime beaucoup le pull coffee de même les anges tricotes. Euh, vous pouvez le retrouver donc sur Ravelry, mais sur sa boutique aussi. Et il faut savoir que sur sa boutique à Laetitia, les patrons sont moins chers. Si, euh, voilà, si vous désirez, si ça vous embête pas de pas l'avoir sur votre boutique Ravelry, vous pouvez passer directement sur site. Euh, vous paierez un petit peu moins cher ces patrons. On va faire le point sur mes en cours. Alors, ma chaussette, elle a un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Je vous montre. Un... Je sais plus. J'ai terminé le talon de la deuxième chaussette. Voilà. Donc j'ai une pointe, un talon, il me reste les cotes à faire. Et sur bah, la première chaussette, j'en suis. Euh... Voilà, C'est pareil, sauf que j'ai un peu commencé les cotes, mais pas énormément. J'ai choisi de faire des cotes de 1 pour changer un petit peu. J'utilise un très joli marqueur que j'ai reçu ah, juste avant les fêtes, qui vient du Canada. Il est trop beau. Il est parfait. <laughs> Encore merci à toi José pour ce beau cadeau. Euh, donc voilà, ma chaussette, bah, elle n'a pas beaucoup avancé. Je vais vous montrer sur quoi surtout. J'ai beaucoup avancé sur un ouvrage et donc les autres j'ai pas trop avancé. J'aimerais bien les terminer ce week-end, ce serait chouette, histoire de passer à autre chose. Puis d'en profiter. Je les trouve vraiment très jolies très belles. Et finalement Axel s'est complètement fait à sa paire, à son talon. Je vous avais dit en début de semaine. Hein. Il était un peu sceptique, mais finalement il les met tous les jours, donc euh, c'est que ça va très bien. C'est que ça va très bien. Donc voilà, pour mes petites chaussettes arc-en-ciel, j'aimerais les finir ce week-end. Il me reste que les cotes à faire des deux côtés, ça devrait aller. Ensuite, mon châle Auberon. Il n'a pas, ouais, il n'a pas beaucoup avancé non plus. Voilà, j'ai juste fait quelques rangs. Vous Voyez les diminutions, bah, c'est un peu, ça se fait euh, tout doucement. Hop, hop, hop. Bon bah c'est tout. Hein. Il suit son cours tranquillement. Je verrai si j'avance dessus ou pas ce week-end, mais sinon bah, j'avancerai euh, davantage dessus euh, la semaine prochaine. Mon petit chalot perron. Mais bon, j'ai toujours autant de plaisir à le tricoter, donc c'est le principal. Ma couverture de reste, j'ai fait le, la petite section du jour. Hop. Et en fait, c'était au-dessus de celle que j'avais déjà faite. Et je vous avais dit en fait là j'avais un peu manqué, euh, j'avais été juste en laine. Celui-là, je pensais être juste aussi, ce que j'avais prévu un peu moins, mais finalement c'est passé. Donc euh, voilà, j'ai fait un petit triangle. Je sais que le prochain il doit être... Euh, il est dans cette zone-là, mais ce sera pour la semaine prochaine. Vraiment deux petites sections, mais bon, deux sections de plus, j'ai fait 19 et 20 sur 47 au total. Donc bientôt j'approche de la moitié, c'est chouette, c'est pas mal. Ça suit son cours euh, tranquillement. Ma petite couverture, on sera bien dessous euh, quand elle sera terminée. Pour rester dans les couvertures, bah, mes petits carrés au crochet. J'en ai quatre, je n'ai pas fait celui du jour. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui, ou au pire je le ferai ce week-end, je le rattraperai... Euh... C'est pas un problème, ça prend pas longtemps, c'est pas, c'est pas compliqué quoi. Je sais pas le nom du granit en français, je pourrais pas vous dire. Je vous ai mis le lien du patron anglais que j'ai suivi, mais je sais pas ce que ça donne en français. C'est un patron où il y a les indications, les termes américains et anglais. Et je sais pas lequel des deux, il y en a un des deux, je comprenais pas. Le premier qu'on voit dans le patron, ça m'a perturbé. Je me suis dit, je connais pas ces dix, ces symboles là, ces, ces abréviations là. Je me suis dit, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'il faut faire et ensuite, après, j'ai vu en dessous, il euh, y avait les autres termes qui me parlent plus. Parce que je sais crocheter en français et en. Alors, je sais pas si je sais crocheter en anglais ou en américain. Je sais pas lequel, lequel des deux euh, c'est. Mais euh, voilà, c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, ah, je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, je sais que je fais pas du crochet souvent, mais je me suis dit, bah quand même, c'est étrange. Mais au final, c'est juste pour ça. Mais voilà, bon, j'en ai fait 4 dans une pelote. Tout, voilà, J'en réussis à en faire 4 dans une pelote. C'est ce que j'avais compté, c'est ce que j'espérais. Donc euh, c'est parfait. C'est top. Heureusement que je ne pas fait un peu plus grand, sinon ça ne serait pas passé. Parce que je vous avais dit que je voulais 15 sur 15, et hein, finalement ils sont un peu plus petits. Mais au moins j'en fais 4 par pelote, donc ça me va. Et enfin, le dernier ouvrage. Et c'est sur celui-là que j'ai beaucoup tricoté parce que je voulais séparer les manches du corps. J'ai Pas réussi <laughs> parce que je sais pas, je m'étais fixée sur le je fais le jacquard, je sépare, mais non, en fait, on fait le jacquard et on fait pas que ça donc il euh, y avait encore pas mal à tricoter après le jacquard et donc j'ai pas réussi encore à séparer tout. Où est-ce qu'il est mon marqueur Là, je vous avais quitté, j'étais là, j'ai fait tout ça. Vous voyez, j'ai quand même tricoté un bon morceau donc voilà le jacquard. La fin, vous le voyez pas forcément bien. Ah là. Ça fait un peu comme un damier. Et puis on a encore des petits chevrons, des petits triangles pour le terminer. C'est vraiment une fin de jacquard très simple, très facile à faire. Et mon, ma tension est vraiment bien régulière là sur cette partie-là, que par rapport au reste. Mais je sais qu'avec le lavage, ça sera parfait. Je n'ai pas encore réussi à trouver une bonne tension pour le jacquard. Parce que je tricote avec un fil dans la main droite et un fil dans ma gauche et dans ma gauche, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus naturel. Et voilà ce que ça donne l'arrière du jacquard. J'ai quasiment jamais croisé mes fils, j'ai juste croisé mes fils sur un seul rang parce que moi j'ai l'habitude et j'ai voilà, choisi de faire ça. Après vous pouvez croiser vos fils plus régulièrement si vous avez peur, c'est pas un souci. C'est un, un modèle qui se, prête, qui se prête bien au croisement de fils parce qu'il y a beaucoup de chiffres impairs. Si vous avez 5 mailles, vous croisez à la troisième maille, si vous en avez 7, vous faites à la quatrième, et si vous en avez 9, et c'est là où j'ai croisé, on, on croise donc à la cinquième maille. Mais voilà, donc lui, donc j'ai fait mon jacquard, j'étais toute contente, et après bah, il fallait tricoter en fait un certain nombre de centimètres pour avoir... un certain nombre de rangs pour avoir une certaine hauteur là. Et il y avait des rangs raccourcis. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, il n'y a pas de rang raccourcis mais si si il y a des rangs raccourcis. Donc euh, voilà, ils sont... Ils sont faits, et là je dois encore tricoter euh, deux rangs, et ensuite je sépare. C'est bon, ça devient bon. C'était l'objectif pour que ce soir au tricoté. Euh, je n'ai plus que le... à faire que le corps. Voilà, il me reste que deux rangs, je sépare, c'est que le chat, ah, j'arrête pas de l'enlever de mon sac ici, là, et elle revient toujours dedans. Je viens pas l'embarquer au tricoté, elle. <laughs> Donc après, voilà, comme ça, après ça sera que le corps tout en jersey, et ça sera du no ça sera zéro cerveau, une mère de jersey tout droit pour le corps, et ça sera parfait. Voilà, on a fait le tour de tous mes encours. Bah, quand même pas mal de choses. Hein. Un châle, deux couvertures, une autre tricot, une autre crochet, un pull, une paire de chaussettes. Ouais, on est pas mal. Je me rends compte que mes vlogs sont quand même assez longs, même si je reviens que trois fois dans la semaine. Mais comme j'ai plusieurs en cours, c'est vrai que ben, j'ai pas mal de choses à vous montrer chaque jour. Un grand merci à vous pour tous vos messages. Je suis en retard dans les commentaires. Je vais essayer de rattraper ça au fur et à mesure. Mais euh, voilà, un grand merci à vous pour tous vos messages, pour tous vos pouces en l'air, pour tous les abonnements sur ma chaîne. C'est ce qui soutient la chaîne. Donc un grand merci à vous. Et ça me motive complètement à poursuivre. Un grand, grand merci aussi à tous ceux qui ont soutenu la chaîne via la plateforme Kofi. Vous avez été très, très, très nombreux nombreuses à le faire là courant euh, décembre donc un grand merci à vous ça m'a permis par exemple là de faire la mise à jour de mon logiciel faut que je rachète un trépied parce que le mien il est cassé parce que c'était un trépied que j'avais depuis euh, plus de dix ans et euh, là à force d'être euh, bougé tous les jours il a du mal donc euh, voilà grâce à vous bah, ça me permet de renouveler tout mon matériel et donc ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye.